Bella, il dit bonsoir. Bonsoir. Je me présente. Moi, c'est Anna, hein, dans le jargon des Jeux Olympiques. Hein, on pourrait dire que je suis une sorte de d'handisport, hein, de l'amour. Mais non. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un domino, hein, qu'on aurait offert à Amadou et Mariam, avec lequel, du coup, évidemment, personne ne s'amuse jamais. Hein. Ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie, hein, de vous rencontrer, vous aussi. Et d'autant plus ravie, hein, que beaucoup même aussi physiquement, hein, du haut de vos 25 ans et de votre plastique aussi parfaite qu'exaspérante. Hein, et ce malgré votre ascendant couscous, c'est bien. Et bien, vous êtes du coup une sorte de mix, hein, entre la belle et talentueuse Leïla Bekti, hein, qu'on avait découverte, entre autres, hein, dans le film Tout ce qui brille, et la version XS, hein, de cette petite racaille à la voix d'or, hein, qu'est la douce Amel Bent. Hein. Et bien, malgré ses origines non contrôlées, hein, qui j'imagine, hein, dans cette belle région du Gard, hein, vous avez vu le jour, ont dû être de l'ordre du handicap. Et bien malgré ça, c'est quand même pas tous les jours, hein, qu'on rencontre une comédienne de talent, hein, qui après avoir commencé le théâtre à l'âge de 7 ans, hein, n'a pas hésité à faire chuter, hein, le taux d'allocation familiale de ses parents, hein, en plaquant les cours à l'âge de 16 ans, hein, pour vivre enfin votre rêve d'actrice, un rêve aux allures de conte de fées, hein, puisqu'en 2010, au grand désespoir de Mélanie Laurent notamment, hein, pourtant intime de Quentin Tarantino, et bien c'est vous, hein, qui avez reçu le Molière, hein, de la révélation théâtrale pour la pièce Confidence à Allah. Une pièce formidable, hein, qui j'imagine aura désormais du mal à se monter, hein, du côté de Carpentras notamment, dans laquelle, hein, vous incarnez une petite bergère, hein, qui vit dans les montagnes d'un pays du tiers-monde et qui n'hésite pas, hein, à l'occasion, hein, à se prostituer, hein, pour quelques friandises, un geste, hein, qui pour nous autres, un peu plus civilisés, un peu plus être aussi désespéré que déprimant, hein, mais qui d'une certaine manière nous rapproche en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant été élevé en région PACA, hein, par des parents, hein, hélas, aussi racistes que radins, eh bien, je dois vous avouer, hein, que moi aussi, hein, pour payer mes Kinder Bueno, entre autres choses, j'ai parfois été obligée de monnayer mon hospitalité, comme on dit, hein, et notamment, hein, à l'occasion, hein, des nombreuses vacances, hein, que j'ai passées contre mon gré, hein, chez mon pépé René, hein, qui m'a cru à vous, malgré ses nombreux défauts, hein, cela dit, toujours fait preuve de beaucoup de générosité, hein, les nombreuses fois où, à pas de loup, hein, il est venu glisser sa petite monnaie, hein, dans la fente de ma tirelire. Et en parlant de vouloir transmettre sa passion à tout prix, hein, j'ai découvert, hein, que vous avez convaincu votre père, hein, d'abandonner son métier de maçon à l'âge de 50 ans, hein, pour se lancer dans le one-man show. Un, hein, métier effectivement à la portée du premier venu, hein, comme le prouvent régulièrement les Verino et autres Guillaume Meurice, mais vers lequel, hein, je n'ai malheureusement jamais réussi à convaincre mon père de se tourner, hein, dans le sens où en sa qualité de CRS, hein, adorateur de la flamette tricolore, et bien malheureusement, hein, pour mes petits amis à son dans Chocopops, hein, comme on dit au Front National, mon père, hein, a toujours préféré brûler les mosquées que les planches, comme on dit. Mais sur ces petites confidences, hein, je vous abandonne, hein, je file de ce pas tenter ma chance au large des côtes australiennes, hein, où un bateau de 200 immigrants, hein, vient de s'échouer en mer. Nous que c'est comme moi, le naufrage de l'amour qui est en vous, le souhait finalement, hein, c'est lui de pouvoir enfin chavirer d'amour, comme on dit, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Move.